dames en heren, op zekere avond, enkele jaren geleden, hielden wij, enkele mensen uit dit land, onze alpenmuts diep over de ogen getrokken om ons tegen de mistral te beschermen. Wij bevonden ons te Orange, in de Provence, en zaten boven op de hoogste trap. Daar werd een stuk van Vondel, tot onze verrassing, opgevoerd in het Frans. Onlangs kwam te Parijs, in de Rue de Lille, in het Institut Néerlandais, een stil, rustig man, een letterkundige prijs in ontvangst nemen. Un Hollandais tout francisé, de heer Jean Stals. Hij was zo ontroerd, dat hij bijna ter plaatse stierf. Zijn gehele leven had hij gewijd aan de vertaling van de drama's van Vondel. Te zijner ere zullen wij een fragment laten voordragen van Lucifer, rij der engelen, wie is het die zo hoog gezeten, zo diep, in het grondeloze licht. Quel est celui qui trône aux cimes, aux profondeurs sans fin du jour, qu'éternité ni temps n'exprime, ni sphère, subsistant toujours sans contrepoids, sans l'assistance d'un autre, étant son propre appui, et renfermant dans son essence tout être qui se meut en lui et hors lui, sans qu'il dévie autour du centre unique et vrai. Roi des soleils, l'esprit, la vie, l'âme de tout ce qu'on pourrait penser ou que nul n'imagine, le cœur, la source, l'océan des biens dont il est l'origine, qu'il entretient et que répand sa grâce, sa toute-puissance et sa sagesse, et qu'il créa de rien, avant qu'en dôme immense le ciel des cieux eût son éclat. Nos yeux se couvrent de nos ailes devant l'illustre majesté. Nous lui chantons gloire éternelle, et de respect tout pénétré tombons de crainte sur nos faces. Quel est-il? Dites, décrivez ses traits. Qu'un séraphin les trace, s'il n'est d'esprit et de voix privée. Vertalen dient ook, vooral in deze tijden, waar de aarde één groot dorp aan het worden is, om ons te meten met de maatstaf van de anderen. Dit is dan met onze dank voor uw voorbeeldig en lang op prijs gestelde aandacht ons uiteindelijk slotwoord.